Bonsoir tout le monde, non pas M. Yvenson Frank, moi content avec vous pour présenter toute nouvelle journée sans perdre de temps, mais grand titre. Mais puis gros point cap dominé actualité, président République là, Jovenel Moïse, qui en délégation en Banque Interaméricaine Développement en BID, visité commune Savannette dans le département Centre-Pays, jeudi 3 mai, pour constater travail cap réalisé dans le cadre caravane changement. Journée 3 mai rappelé Journée mondiale liberté la presse dans occasion plusieurs activités réalisées pour marquer journée association journalistes haïtiens organisé mercredi 2 mai une soirée hommage pour journaliste photographe Vladimir Le Gagneur qui disparaît depuis 14 mars passé. Président Chambre député Gary Baudot confirmé bureau Chambre député à recevoir demande interpellation groupe 16 députés. Il y a une demande qui pral soumettre la conférence président pour décision finale. 33e colloque international CREDAF arrivé dans Boutli mercredi 2 avril. La délégation 33 pays qui étaient participés dans le colloque ça et l'Haïti comme pays qui est présidence CREDAF. Actualité à Piloin Lacaille pour Pipiti, 9 moun pedi la vie, parmi eux 5 membres équipage à 4 passagers dans l'accident d'un avion cargo. Mercredi 2 mai, tout près à l'aéroport Savannah, dans Georgia, aux États-Unis. C'est tout point ça que nous allons développer pour un petit moment. Restez branchés, Naptonin. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Pour commencer, nous allons voir conditions de temps à collaborateur nous, Wilner Polidor. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous ensemble. Je dis encore pour prévision météorologique là, très instable sous pays et conditions météorologiques très dégradantes. On a le qui ça qui fait ça. Nous avons un creux qui trouve li en surface. Et on parle de un creux, c'est une zone dépressionnaire. C'est une zone côté pression li plus basse par rapport avec au voisinage. Et situation ça a provoqué une masse d'air qui humide et instable. Et là, nous avons une pression qui à la baisse dans la zone. C'est un indicateur de mauvais temps. Et c'est ça qui fait nous avons un temps qui est très instable. Et pour aller gagner plusieurs départements et pourquoi pas tout pays qui est concerné par activité la pluie. Si sous quelques départements, nous avons gagné quelques averses isolées, mais sous département nous avons resté là-haut, c'est vraiment l'averse la pluie qui a modéré et qui a fort tout au cours de soirée, pendant la nuit là et même demain au cours de journée. Et département Sao, c'est département nord-ouest qui est concerné par activité la pluie Sao. Nous avons gagné le nord. À la rigueur, le nord-est, mais le centre et l'Artibonite, faut que le département ça a ouvert. Et depuis jeudi, il y a une rivière qui a commencé à déborder dans la zone, dans le département du centre. Département de l'Ouest aussi a concerné. Le sud-est a eu une grosse activité rapide, mais l'ENIP et la Grenance, le sud, c'est département à surveiller parce que a eu une grosse rapide sous zone ça et susceptible pour qu'il y ait une inondation sous département de l'Ouest cité là. Et sous image de 4-2, inondation, nous en jaune c'est non symbole là, en jaune c'est inondation cap faible, en orange c'est modéré à forte et en rouge c'est sévère. Et sous quatre là, j'en ouais avec nous département Centre Artibonite, Grandance avec NIP et aussi le sud, yo en orange, ça veut dire que il y a une possibilité pour une inondation modérée à forte sous zone ça. Et c'est pour ça secrétariat permanent cap gérer risque avec désastre de concert avec UHM qui c'est unité hydrométéorologique pays d'Haïti avec direction protection civile mandé tout monde qui habite dans la zone que nous sommes cité là et zone qui capable gagne inondation ça yo pour être veatif parce que gagne dans 12 à 36 heures cap venir yo gagne possibilité pour gagne inondation sous zone ça yo et c'est pour ça demander population rester vigilant parce que supposé ta doit gagne en pile après sous pays a non seulement jeudi à demain et après demain. Pour capital avec zone qui environnée son capital qui en bas instabilité, un capital qui nuageux la pluie encore à soya demain et après demain sous Port-au-Prince avec zone qui environnée et c'est tout quartier qui concerné par activité la pluie ça yo nous avons température qui monte aujourd'hui jusqu'à 32 degrés Celsius et puis va la descendre c'est 22 degrés là au cours de nuit là.
Pour la mer, c'est une mer qui est agitée non seulement sous côte nord et côte sud, et visibilité a très réduite parce que il y a un gros lapis sous pays. Le capitaine embarcation fort prend précaution avec prudence parce que non seulement visibilité a réduit, mais aussi a un l'orage avec éclair. Ça veut dire non seulement grondement tonnerre, mais aussi éclair dans le ciel là, capable de perturber navigation sous la mer. Et pour Paja Solomégan, nous avons soleil cap couché jeudi à 7h12 minutes et la levée demain matin à 6h20 minutes. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. J'ai noté annoncé dans Titio, président République là, Jovenel Moïse, qui en délégation Banque Interaméricaine Développement BID, visité commune Savanette dans le département Sainte-Pays, jeudi 3 mai, viré Ronsa, droit permettre Bayer de Fonyo, constater travail administration Moïse à gouvernement Lafontan a pas réalisé dans le cadre de caravane changement et puis évaluer travail qui était pour Fétio. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Mouna Savanette recevoir président Jovenel Moïse en grand pompe. Habitants zone nan montré yo content dès que l'eau équipement pour faire construction route là déjà commencé travail. Malgré ça, rete en pile bagay ki pou fait toujours d'après député Gerda Benjamin Bellevue. Nous gon marché qui construit depuis en 2013 président. Politique fait le vaca inauguré. Nous gagne yon maternité qui construit. Politique fait le vaca inauguré président. Alors que dans la ville frontalière que nous sommes, Dominique dit qu'il n'y a pas accepté de femmes à la couche de la République dominicaine. Président, nous t'arrêtons de vous pencher sur ça. Président, nous avons bétonnage ville là qui a commencé. Et pour ça, directeur général là, ministre là, il était directeur général. Président, nous t'arrêtons de caravane. Dans la caravane, nous continuons. Comme nous parlons de Savanette qui sont une zone qui a produit un pile manger, eh bien, comme une zone tout, fer à cheval qui tombe dans la tibonite là, c'est là le bon essence. Nous t'arrêtons de gagner une pépinière, la caille nous dans Savanette, une façon pour nous gérer la question des aslans, la question inondation, président, la question de nous au final dans la mer. Chef l'État qui t'a avec lui, quelques ministres. Parlementaire avec plusieurs représentants Banque Interaméricaine Développement, by garantie, administration n'a pas négligé aucun détail dans le programme développement Savanette qui trouvait là seulement 12 km de frontière qui séparait Haïti avec République Dominicaine. Député Gerda parlé de inauguration maternité. Député Gerda parlé de inauguration marché. Mais tout dit ça, politique pas qu'à bloquer par les encore. Je vais passer l'autre dans mois de mai, il faut tout le bagage inauguré dans Savanette. Parce que si on finit de construire, il n'y a pas qu'à camper pour politique après pas inauguré. Ça fait terrain football là, en pile jeune moi là. Voilà. Ça fait terrain football là. Ministère Jeunesse Sport. Cap gardem là, ministre cap gardem cap tandem là, mandé tout de suite pour le fond délégation vina député à Savanette, chercher côté gain terrain disponible pour construire terrain football pour jeunesse là. Parce que pas gain pays qu'on développer si jeunesse li pas gain loisir. C'est normal pour ti moun yo joindre côté un espace de jeu. On côté pour jouer au football, on côté pour faire athlétisme. Parce que nous disons, terrain football, ça, on a construit qu'on y a. Il faut une piste d'athlétisme sur vous. Côté pour Timoun Gakoui. Je peux aller, mais avant d'aller, il faut aller en long et en large de route là avec nous. Route là, c'est pour route en terre, nous ne nous. C'est route asphaltée, c'est ça, nous ne pouvons pas nous. Bavin Bodou dans le terrain, nous. Pendant nous mettons président, tout
ça m'a fait pour nous, m'a fait net, m'a fait à demi. Net. C'est pour me faire route net, m'a dans raison de faire route à demi. Si nous avons pété courant, nous mettons courant net. Nous construisons le football net. Depuis le président Jovenel Moïse monté sous pouvoir 7 février 2017, l'exécutif là prend plusieurs décisions. Sous qui Jean Bailleur de Fonds à ONG doit orienter aide à pauvres population. Une raison qui expliquait divers virons chefs l'État fait avec différents groupes étrangers souterrains pour aider à comprendre la réalité de chaque département. L'autre nouvelle, président Chambre député Gary Bodo exprimé satisfaction liée pour progrès, il dit qu'il fait dans le cadre liberté la presse en Haïti. Cependant, il faut que les journalistes travaillent pour consolider acquis ça. Député Delma a souhaité loi sur régulation, la presse là, avec loi sur diffamation, voter non parlement pour mettre l'ordre dans le secteur. Un extrait dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Nous avons un pays qui était connu en dictature à une certaine époque et nous connaissons toujours gagner des griefs et par rapport à la presse. Et par rapport à l'ensemble d'initiatives à prendre pour informer la population. Donc, son pays qui connaît une trentaine de coups d'État, qui connaît des gouvernements putschistes, qui connaît des triumvirats, des gens qui ont le pouvoir et qui parlent les gens parler. Donc, je dis à nous, c'est qu'il y a un peu d'effort qui fait. Donc, moi, je pense que faut que la presse là tout, revienne au carrefour pour le consolider à qui ça a, mais surtout, évaluer tête-là pour nous connaître, je dis à. Qui est-ce qui ont travaillé de la presse? Qui est-ce qui est journaliste? Qui est-ce qui pas journaliste? Donc, pour que la presse soit capable de faire autocritique tête li, pour capable de protéger les jeunes journalistes, parce que vous avez depuis que vous avez manié tout le monde, mais ces journalistes ne peuvent pas travailler dans aucun média, les olives freelance, etc. Donc, même gens, il y a des psychologues, des avocats, des agronomes, mais ces journalistes-là, tout ça s'apprend. Donc, moi, je pense que la presse gagne pour l'évaluer tête li par rapport avec de meilleures conditions de travail tout qui pour gagner dans médias. Donc, même j'en ai demandé salaire minimum pour ouvrir dans factory pour moun nan compagnie sécurité tout. Je dis à faut patron médias tout garder tête yo, est-ce que gagne assurance pour journaliste, est-ce que gagne des moun yo voye aller étudier qui pour tourner. Ou bien est-ce que y a des gens qui payent formation pour eux dans les universités haïtiennes? Donc je dis à faut que nous gardions tout aspect ça qui va rentrer dans le renforcement de la presse haïtienne. Et de l'autre côté, il faut nous garder tout la loi et sous diffamation qui est dans le Parlement. Depuis quelques temps, moi-même, sous présidence PAMNA, dans plusieurs conférences des présidents, députés, je voulais que les passer commission et. Qui gère culture et communication, gen loi nan men. Bon, ça avec ensemble association la et presse, ensemble et patron média, ensemble travail la presse, etc. Faut mettre ensemble pour que nous. On loi sous diffamation, on loi tout qui pour réguler métier journaliste là tout. Corruption et transparence, mécanisme et enjeu. L'idée qui se crée en tête collée avec 1804 Institute a organisé 3 à 4 mai 2018 là. Dirigeant Yo a réalisé Colloxa par rapport à contre la bataille contre corruption. Reportage Falland Delphin avec Michel Joseph. Franz Duval, président ANMH. Depuis, avocate Erol Jean-François, ancien président ANMH, et Jean-Claude Louis, représentant PANOS, ces différents panélistes qui étaient intervenus dans l'atelier ça, qui étaient regroupés étudiants, journalistes, représentants société civile pour discuter thématique corruption historique, ou à l'importance média, proposition loi sur libre accès à l'information, c'est quelques différents points qui étaient débattus dans l'atelier si là. Président Association Nationale Média Haïtien, Franz Duval, dressait un mec bilan sur quantité de journalistes professionnels enquêtés qui gagnent dans le pays, malgré plusieurs formations, quelques organisations non gouvernementales étaient organisées après tremblement de terre, pour permettre aux journalistes d'investigation dans le pays, puisque l'irrité croit pour lutte contre la corruption réussi, ces médias et journalistes investigateurs qui sont capables de faire. Si pour faire un acte de corruption, il faut être au moins deux, dans la presse également, pour
comprendre le phénomène, pour dénoncer le phénomène, pour enquêter sur le phénomène, il faut au moins être deux. Il faut le journaliste, et c'est pourquoi je me réjouis de la présence de Jacques Desrosiers, et il faut le directeur de médias. Les deux doivent, le journaliste doit mettre son courage et son intelligence, et le patron de médias doit... Les phénomènes ça dans le pays, hein. Des plaidoyers doivent être menés auprès des pouvoirs publics, le Parlement notamment, pour l'adoption de lois pour criminaliser la corruption, réviser et actualiser l'arsenal législatif et offrir les instruments légaux indispensables pour l'affinement de la lutte contre le fléau. Avec proposition sur libre accès à l'information qui gagne 50 articles dans 6 chapitres, représentant Panos Caribéen Jean-Claude Louis mettait accent sur l'état de droit avec bonne gouvernance qui pral traduit transparence, ça qui est capable d'aider d'après lui dans la lutte contre la corruption. Certains journalistes ne pensent pas qu'on a besoin d'une loi sur l'accès à l'information. Certains patrons de presse également, qui pensent que les dispositions constitutionnelles suffisent à garantir le droit à l'information. Et il y a les juristes, je suis sûr qu'il y en a dans la salle, qui estiment que dans le cadre légal haïtien, il nous faut une loi sur l'accès à l'information. Malgré que ces deux entités qui ne s'entendent pas tout à fait sur la portée d'une loi sur l'accès à l'information, ils admettent qu'il y a toutefois un problème d'accès à l'information en Haïti. Colloque ça qu'a fait 3 à 4 mai 2018 là dans l'université Kiskeya, il y a pour objectif sensibiliser citoyens yo sur gouvernance ak sens responsabilité ou doit gagner dans exercice fonction yo. Dans l'occasion, Journée mondiale la presse, là, Office protection citoyen, dit les exprimer solidarité avec corporation journalistio qui est toujours sous choc après disparition photojournaliste Vladimir Le Gagneur depuis 14 mars passé, hein, dans le quartier Grand Ravine. Office protection citoyen dit les reconnaître rôle fondamental média joué dans la revendication citoyen pour instaurer un état de droit dans le pays d'Haïti. Association journaliste haïtien AJH a organisé mercredi des meilleurs dans Port-au-Prince une soirée hommage pour photojournaliste Vladimir Le Gagneur qui disparaît. Soirée hommage s'est faite avec participation journaliste cap travail dans plusieurs médias dans PIA. Reportage à Roosevelt Desrosiers avec Wilson Idoré. Soirée hommage pour Vladimir Le Gagneur là, c'était une occasion pour journalistes réfléchir sur façon à fonctionner en Haïti, surtout pour question sécurité yo. D'après secrétaire général AJH là, Jacques Desrosiers, il déclarait en même temps, c'est un manière tout pour questionner autorité dans la police là sous disparition photographe journaliste Vladimir Le Gagneur. Nous gagnons inquiétude que jusqu'à présent que la police pour qu'on jamais retirer dans tête nous. C'est ça qui fait que nous choisissons la veille journée célébration. Avant de réfléchir sur le rôle pour faire état de droit, nous voulons réfléchir sur tête pas nous. Tête pas nous, sous sécurité pas nous. Je dis à soir, de faire partie de une série d'activités, une série d'actions que AJH avec alliés internationaux, vous voulez parler de FEPAL, vous voulez parler de l'affiche, a fait pour exiger autorité la police, éclaircir dossier Vladimir Le Gagneur. Et ce moment tout, vous m'invitez les journalistes surtout. Quel que soit ça qui a passé, pas quitter nous intimider sur façon qu'on a fait travail. Pendant que moi invité nous réfléchir tout sous tête nous, pour nous analyser tout risque gagné que nous avons fait travail nous, pour comment que nous allons chercher information. Pour quelques journalistes qui te prennent la parole dans l'occasion, disparition journaliste là, t'as dû pousser travailler la presse. Mettez tête ensemble pour défendre cause métier qui relève journaliste là. Pendant, yo pas t'adoué jamais oublier si la yo qui assassiné pour moun de capable jouir droit la parole en Haïti. Par rapport avec importance métier, corps de métier et par rapport avec risque qui gagne en d'un métier ça, nous allons mal. Pour d'avoir des considérations particulières, des protections particulières pour permettre que journaliste, même vis-à-vis des autorités établies, en bien que vous fait travail sans que vous pas cible agression. Parce que en même temps, il est facile pour nous prendre des initiatives individuelles
individuelle. Mais la société a conditionné nous comme ça pour nous faire des bagages individuels. Mais ce n'est pas toujours facile pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous faire rien, pour nous avancer. Donc l'esprit d'initiative, ça veut agir à jour et jour à l'étranger. Mais j'espère que chaque monde qui est là comprenne que sauvetage de la bagarre individuelle, nous sommes collectifs. Et que notre travail, c'est de sorte que nous vivons justement, nous mettons tête ensemble, permettre que la presse joue un rôle pour jouer tout le monde, dans faire démocratie à l'état de droit, blaguer dans le pays, et permettre que la population vive, atteigne bien-être que la cherche, ne serait-ce qu'en partie. Je dis à nous-mêmes qui avons fait la presse, c'est pas seulement la plainte, faut une plainte, oui, ça fait mal. Mais où est l'instant lié important? Chaque grain de journaliste qui disparaît, c'est pas seulement rapporter, fait bruit, après ça fait silence. Devoir de mémoire là, lié important. Mais il faut nous fouiller, 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 fouiller jusqu'à ce que le jour dans le jour d'hier, ne dit plus jamais. Ça, moun pagé doit mourir pour conviction, pour sale quoi. Parce que la vie, c'est bien qui plus sacré qui est capable d'exister. Mercredi 2 mai, a fait 50 jours depuis photographe journaliste Vladimir Legagneur porté disparu. 14 mars 2018, il a fait un reportage dans zone Grand Ravine. Depuis date ça, il n'a pas jamais retourné à la Cali, selon famille victime non. L'autre information, 33e colloque international la CREDAF la fini mercredi 10 avril sous côte acadéen, délégation qui sortit dans 33 pays t'est participé dans colloque ça côté yo réalisé élection qui permet Haïti élu comme pays qui gagne présidence à CREDAF en 6 mars avec Fresnel Toussaint a présenté un reportage. Il y a un moment important pendant dernier jour colloque là, c'est résolution délégation prend pour changer dans règlement fonctionnement CREDAF. Quatre décisions stratégiques ont été adoptées. Premièrement, langue de travail du CREDAF est le français. Ça a été adopté à l'unanimité. Deuxièmement, la traduction des documents de référence du CREDAF. Troisièmement, ouverture à d'autres pays de tradition francophone. Quatrièmement, traduction en français de documents de référence externe. Pour l'année 2019, là, c'est dans le pays Cameroun, il a organisé 34e colloque CREDAF. Là. Et c'est le pays d'Haïti qui a mené la présidence là pour yon l'année. Mais Adé Molan, expliquez qui sa mission est. Le travail moi pour le constituer a plus responsabilité que je gagne à la DG aujourd'hui, parce que tout et groupe de travail CREDAF, séminaire CREDAF, colloque CREDAF, c'est moi qui vais le présider dans des pays différents. C'est dans l'année 1982 qu'il a fondé, côté ce directeur impôt dans le pays qui parle français qui m'amène. Après 33e colloque là, CREDAF l'a dit, cette réflexion à échange dans mi-temps administration fiscale yo. C'est moment pour nous prendre une pause publicité, pas débranché, n'abtonner. Journal là à poursuivre président chambre député à Gary Bodo confirmé mercredi 3 mai bureau chambre député à recevoir demande interpellation groupe 16 députés yo. Président chambre député a annoncé bio abral soumettre dossier dans conférence président yo pour décider qui date y a fixé pour séance interpellation. Un extrait dans micro Élisère Colo avec Moïse Wilwich. Effectivement, nous toucher de questions au niveau bureau. Donc première démarche nous, c'était garder si c'est une initiative qui respectait la constitution et les règlements intérieurs de la Chambre des députés. Donc, démarche là sont démarches qui respectent la loi. Donc, comme président de la Chambre des députés, nous sommes esclaves de la loi, nous sommes esclaves des règlements intérieurs de la Chambre, nous sommes esclaves de la Constitution et amendée de 1987. Donc, nous allons faire ce que de droit. Donc, la Constitution reconnaît le droit en ses articles 129-2, 129-3, à tout député de pouvoir questionner ou d'interpeller le gouvernement. Donc, nous avons la demande qui a été faite de manière régulière. Maintenant, la prochaine étape, c'est pour nous soumettre et demande d'interpellation à la conférence des présidents qui pourra fixer son date pour interpellation pour le ministre avec le gouvernement. La procédure parlementaire, là, c'est une procédure qui est faite à partir de précédents.
Donc, vous pouvez lire ça dans tout livre sur le lexique parlementaire, il fait non seulement à partir de précédents, mais à partir tout de ce que dit la loi. Donc, le règlement intérieur de la Chambre des députés, dans la hiérarchie des normes, il n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est la loi mère. La Constitution dit ou capable d'interpeller un gouvernement, mais article déjà. Donc, une fois que demande d'interpellation, les soumettent. Et bah, il y a eu au champ de députés, il les saisit. Mais ça t'est arrivé tout au cours d'une séance, un groupe de députés fait demande d'interpellation. Mais demande, moi, il y en a même, non, qui fait demande d'interpellation, c'est une demande qui est respectée constitution, qui respecte règlement intérieur. Premier secrétaire chambre député, député Jean Ruiller, Jean fait qu'on est, règlement intérieur clé, toute demande d'interpellation. Doit faite dans séance plénière. Parlementaire a dit demande d'interpellation 16 députés au pas respecté règlement intérieur d'après lui-même, li pas recevable. Yo extrait dans micro Fedner confident à Moïse Wilbridge. Jusqu'à maintenant, bureau premier secrétaire pas recevoir on lettre comme ça et nous dit que dans les cas où pas connait si bureau la présidence ou encore bureau et secrétaire général a lié recevoir et en correspondance pareil, mais et pour nous-mêmes, jusqu'à cette minute présente, nous pouvons recevoir une lettre qui est surtout mandée pour interpeller le gouvernement, pour interpeller le Premier ministre. Bon, c'est clair, la procédure parlementaire, ou encore règlement intérieur chambre députée, il dit voilà, mais comment nous avons interpellé, mais comment nous avons convoqué, ou encore mais comment nous avons invité. Automatiquement, le bureau a fait suite avec des manuels. Bon, c'est clair. Et d'ailleurs, et pour moi-même, et procédure à l'ibiaisé, à la base, d'ailleurs, pour nous parler d'interpellation, interpellation, il a fait de façon, nous avons convoqué et en pleine séance, mais transformé convocation en interpellation, d'après le règlement intérieur de la Chambre des députés, et on est comme capable et surtout faire demande d'interpellation en séance plénière. Demande d'interpellation, c'est motion et demande d'interpellation, du fait en séance plénière et sous tribunal, là, ça, président lui-même qui s'est police audience, là, il gagne pour soit pour accepter demande là encore pour refuser demande là. Si demande là acceptée, là ça nous va gagner pour nous discuter surtout sur question l'heure et sur question jour et pour nous garder comment et dans conférence des présidents n'a pas décidé. Pas oublier nous toujours dit dans chambre des députés a gagné trois instances décisionnelles, gagné les bureaux qui joignent un pouvoir, une autorité bon non mais et assemblée on a mis député nous gagnons et conférence des présidents qui sont l'autre instance décisionnelle et nous gagnons assemblée d'ailleurs on a dit que et demande d'interpellation ça il pas fait en séance plénière s'il fait en privé même lorsque bureau président t'a recevoir moi même en tant que légaliste m'a dit que demande ça ils sont demandes qui irrecevables. La partie politique rassemblée pour sauver la caille Parasol, dressé jeudi 3 mai 2018, là, il y a un bilan positif des premiers l'année caravane changement. Président Parasol, là, Yvan Bonhomme, souhaité administration Moïse à gouvernement Lafontaine, prend plus mesi pour renforcer caravane dans pays. Responsable Parasol, là, Yvan Bonhomme, mandé plus loin, acte politique, yo, prend chemin dialogue pour permettre pays à arrêter sur route changement avec démocratie. Yvan Bonhomme, dans micro Midrey Milias avec Moïse Wilbridge. Un an après, caravane changement, nous capables de dire de manière globale, il y a une augmentation de 600 à 700 000 emplois. Le pourquoi? Parce que ça crase le pays après 86, le régime politique qui crase le pays après 86, et bien, il prend le pays là, il vend tout ça qui a créé job dans le pays. Nous vivons une économie de 6 machins, gros machins. L'unique façon pour nous résoudre le problème économie, si machin, gros machin, non, eh bien, c'est la production nationale. Et production nationale, là, nous, elle, pour nous gagner, qui a une économie, qui a une économie de production, eh bien, nous sommes capables de sentir l'effet caravane changement à travers le nombre d'emplois qui augmentent dans le pays. Bien sûr, il y a un compatriote qui a dit,
job yo pa rive sou yo ou bien yo pa wè asse. Mais n'ap di population haïtienne nan, n'ap di compatriotes, frères avec sœurs sa yo. Un pays que ou fait 40 ans ap krasé, yon pays qui fait 40 ans ap fè bac, boule caoutchouc, kou de businessman, boule l'école, boule maquette, et bien pays ça nan espace yon l'année pas capable camper sous des pieds. Surtout le n'ap rappelé de méfaits embargo a. Embargo politique criminel qui courit derrière, qui crase un pays, qui courit derrière tout ça que nous sommes capables de gagner comme production. Corruption et transparence, mécanismes et enjeux, c'est sous thème ça, premier journée à colloque, université Kiskeya a été déroulé. Plusieurs étudiants, professeurs, économistes, membres dans la société civile là, ont participé dans l'activité ça. Caractéristiques, corruption, conditions qui créent, responsables avec transparence, perception avec présentation, dispositif lutte contre corruption avec pratique lutte contre corruption, c'est quelques sujets qui te débattent dans différents ateliers de travail pour jeudi 3 mai. Ancien Premier ministre Aguidoire Alexis, dans l'intervention, montrer importance lutte contre corruption gagnant pour économie pays. Il y a un extrait dans le micro John Herbie Casseus avec l'aurore d'Arly Jean-Jacques. Je pense que nous gagnons, faut nous garder question. Parlement, sénateur, député, pour nous connaître qui j'en, si nous avons une constitution, yon, pas quoi que c'est sur les côtés pour nous, mais c'est l'impunité que nous pas doit quitter dans le même cas de pays. Donc, impunité, ça, c'est une bonne garde de question, ça, parce que nous ne pas quoi que pour fatalité, nous pouvons écrire ça même. Pas de fatalité pour que ces haïtiens qui sont aussi corrompus. Nous avons tout à l'heure dit ça. Ces domaines ne sont pas extraordinaires, ces domaines. Mais ces domaines, ils ont arrêté sénateurs, ils ont arrêté députés. Je pense qu'il faut nous garder et tout le monde, ce n'est pas seulement sénateurs députés, non? Cercle des étudiants militants pour le nationalisme haïtien, séminaire organisé et en conférence débat, jeudi 3 mai, dans l'Institut national d'administration à gestion étude internationale INAGE, sous thème Relations entre Haïti et République dominicaine, enjeux et perspectives. Plusieurs sujets qui gagnent rapport avec économie, diplomatie, avec protection, migrantes et débattent d'après président séminaire Mathias Laurent. Des verres, cap poté plus explication dans le micro, Lunel Jean-Louis avec l'aurore d'Arly Jean-Jacques. Et en fait, j'aime bien dire que l'université, c'est un centre de formation, c'est un centre de recherche. Il doit animer par des débats réfléchis. L'université, il doit remplir de la mission. Parce que l'étudiant doit suspendre à bout le carotte. L'étudiant doit suspendre à manifester, voyer roche pour craser, briser l'État. L'étudiant, il est capable de prendre place dans la société, il est capable d'orienter l'opinion publique, il est capable de jouer un rôle de lumière de la population. Parce que la population, des fois, il est niveau de la population. Donc, c'est nous, l'université, pour capable éclairer l'antenne, pour nous capable faire comprendre ensemble de faits sociaux. Dans la société. Donc, c'est notre ça qui va nous réaliser conférence. Et moi, je pense que ça permet de l'université à plus présent dans le débat au niveau de la politique générale du gouvernement. Parce que, donc, on parle de politique générale, on doit parler de politique étrangère. Le gouvernement, nous, actuellement, il doit être politique étrangère. Donc, on parle de politique étrangère, on ne doit pas passer l'université. Parce que l'université a un département de relations internationales qui a réfléchi sur la diplomatie. Parce que la diplomatie, c'est rapport de force, c'est jeu d'intérêt. Nous devons regarder qui sommes capables d'utiliser tout pour nous permettre au gouvernement capable d'accéder au niveau des relations internationales. Effectivement, après conférence, nous avons manifesté qu'on a produit. Et c'est un réseau qui fait nous gagner des étudiants qui apprennent d'autres à travers l'intervention. Et d'ailleurs, l'intervention est variée, diversifiée. Il y a le professeur Josué qui a parlé sur le rapport commercial. Il y a l'ambassadeur qui a parlé sur le rapport diplomatique. Il y a le professeur Fernando Simé qui a montré comment la République dominicaine fait venir un pays émergent notre dernière année. Ça, voilà. Parce que la République dominicaine, dans les années 80, le pays qui était vraiment développé. Et actuellement, la République dominicaine, c'est un pays, c'est une plus grande économie en Amérique latine. Donc, nous avons manifesté ce qu'on a fait sortir pour nous capables de faire plaidoyer pour la République d'Haïti. Parce que donc, l'élite pour nous capables de sortir. Notre ça que nous trouvons là actuellement là. Document ça en France, on a vu le bail tout, on a vu le bail parlement, on a vu le bail ministre des Affaires étrangères, parce que donc ça fait étranger qui occupe les questions politiques étrangères pays d'Haïti.
L'autre dossier sous initiative député l'asile là, le man premier, plusieurs activités organisées mardi 1er mai dans l'asile, tant coup conférence débat sur importance agriculture, marche, messe action des grâces avec inauguration et en centre santé animale. Député Léman Premier fait qu'on est centre ça doit servir tout le monde qui sautit dans zone banip dans aider prendre soin bête paysan yo. Un extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Professeur Josué, lui, qui était un intervenant, a expliqué à Haïti qu'il y a intérêt pour continuer à faire commerce avec la République dominicaine. D'après professeur Josué, lui, il faut gagner un accord libre, échange entre deux pays dans l'idée pour améliorer les relations commerciales entre eux. Il y a un extrait dans le micro Lunel Jean-Louis avec l'Aurore Darly Jean-Jacques. Les relations sérieuses, c'est des relations quand même pour rejoindre que Haïti les victimes de détérioration des termes de l'échange. Ça veut dire que ce sont des relations qui sont beaucoup plus en faveur de la République dominicaine. Mais cependant, il est beaucoup plus défavorable pour Haïti si des relations entre Haïti et les États-Unis. Quand même, malgré que nos victimes de détérioration des termes de l'échange, mais quand même, ça permet de nous faire économie de devises, si que nous avons acheté vers les États-Unis. C'est-à-dire, objectif et intervention, non, c'est dépassionner le débat, montrer que nous avons intérêt pour nous capables de commercer avec la République dominicaine, parce que ça permet de nous faire économie de devises. Nous n'avons pas besoin de dollars américains pour nous acheter en République dominicaine, parce que nous seulement venons avec l'argent, nous, et puis nous changer le compte peso, nous acheter. Si que, par exemple, nous avons acheté vers l'autre pays, nous avons besoin de dollars. Déjà, nous voyons que nous avons bénéfice, nous avons tiré là-dedans. Deuxième bénéfice, là, c'est en fonction du rapport de proximité géographique nous, avec la République dominicaine. Par exemple, ça permet que nous amortissions un coût. Si nous avons acheté dans l'autre pays, les coûts de transport nous avons coûté nous plus cher. Donc, quand même, ce sont des relations à encourager. Ce n'est pas des relations, par exemple, à bannir. Mais le principal problème, nous soulevons un problème dans le cas de ça. Il faut que les relations sérieuses soient capables enfin, d'obéir à des normes. Un jeu assez haut niveau, par exemple, normatif, c'est-à-dire qu'il faut être capable de gagner un accord de libre-échange entre deux pays. Et deuxième aspect, il faut nous capables de gagner des dispositifs en place qui pour permettre que nous capables d'arriver, nous pas dire nous capables jamais arriver au commerce équitable avec la République dominicaine. Il faut nous pas faire tête nous illusion. Mais au moins permettre que le commerce entre deux pays soit capable plus ou moins équitable. Ça veut dire que pour qui ça, Haïti n'a pas une agence certifiée de produits bio, pour qui ça, bon, mais qu'Haïti n'a pas produit, mais il faut faire effort pour produire. Pour qui ça, Haïti n'a pas capable de faire des efforts pour que peut-être s'il est capable de labelliser le produit pâle pour permettre que pas un vol de propriété intellectuelle. Alors, c'est autour de tout point ça, nous intervenir dans le cadre de conférence. Nous allons observer une autre pause, Naptonin, pour suite actualité. Nous allons faire un coup de pied, l'autre bord de l'eau, Union européenne et ONU condamné discours autorité palestinienne Mahmoud Abbas, prononcé lundi 30 mai devant Conseil national palestinien qui dénigrait Juifio. Discours ça, Union européenne classé comme discours antisémite, en suivre. Union européenne et Organisation Nations Unies condamné président autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour parole raciste li dit devant Conseil national palestinien lundi 30 avril 2018 là. Discours raciste ça Union européenne et Organisation Nations Unies jugé inacceptable en rapport avec origine Holocauste et légitimité Israël. Mahmoud Abbas remettait en cause lien historique avec religieux en Juifio ak Terre Sainte côté le palais d'un projet colonial européen était encouragé pour faire juif quitter zone ça. D'après Union européenne, discours ça ka servi seulement moun ki pa vle une solution pour la paix en deux états. D'après porte-parole ministère Affaires étrangères israélien Emmanuel Nachon, président autorité palestinien accusé peuple juif la responsable problème li. Mahmoud Abbas répétait en plusieurs fois li respecter croyance juif yo mais problème li c'est moun ki prend tel. Yon avion cargo militaire crasé mercredi Demeya tout près aéroport Savannah non en Georgia si des États-Unis.
d'après autorité yo pour pipiti 9 moun pedi la vie yo parmi yo 5 membres équipage ak 4 passagers. Quelques témoins expliqué avion C-130 lan dérouté yon titan après la fin décollé côté l'alcrasé n'ayant quartier ça la cause moun qui était présent à moment victime ces derniers vols avion ça t'a réalisé pour yo pas utilisé encore après 50 l'année service. N'a pas retourné la caille journée 3 mai 2018 là rappelé journée mondiale liberté la presse pour commémorer journée hein. UNESCO organisé une conférence débat avec participation journalistes, avocats, représentants pouvoir exécutif là sur nouveau et stratégie pour améliorer conditions de travail et puis faire respecter liberté la parole avec droit la presse dans pays. Reportage Falanda Delphin avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir, c'est sous thème ça UNESCO organisé conférence débat ça dans l'hôtel Marriott. C'était occasion pour journalistes, membres de la société civile là, et représentants du pouvoir judiciaire, chita parler pour réfléchir sur meilleure stratégie pour permettre un plus bon cadre juridique qui facilite et favorise la liberté d'expression. Représentant UNESCO en Haïti, Paul Gomis, dans l'intervention, plaide pour l'école journaliste renforcer la formation et abayo dans l'idée pour permettre la liberté d'expression et respecter tout bon vrai. C'était occasion pour représentant UNESCO à renouveler engagement pour accompagner toute institution qui veut travailler pour respect et liberté de la presse dans le pays. Les pouvoirs économiques qui nous font danser, écrire des choses qu'on n'a pas toujours envie d'écrire. Donc il y a beaucoup de pouvoir. Okay? Voilà ce que je voulais ajouter en nous disant soyons vigilants. En réalité, pour la presse, il y a, comme toujours, je l'ai toujours dit, vous avez tellement de responsabilités. Une des responsabilités, bien sûr, c'est d'être un contre-pouvoir, au pouvoir. C'est d'être aussi porteur des voix, des sans-voix, de la société civile haïtienne. Je pense que les prochaines fois, on s'arrangera pour que la société civile soit dignement et bien représentée ici. Elle n'a pas de voix. Nous avons la responsabilité de l'écouter et de partager sa voix à travers tout le pays et au-delà. C'est un appel à tout le monde qu'on s'associe pour organiser des forums et rediscuter de manière inclusive, y compris en faisant venir les gens de la société civile, en leur traduisant les choses en langage créole pour qu'on puisse en s'entendre et améliorer ce projet. Et après, tous ensemble, unis pour livrer la bataille, je pense qu'on pourra avancer. Il y a 4 projets de loi, on nous a bien entendu, nous l'avons fait dans d'autres secteurs pour l'éducation. Et les députés ont accepté à un moment donné d'ouvrir. Ils avaient 3 projets. Finalement, ils ont voté un et ils ont dit que les deux autres n'étaient pas encore prêts. Prenons cette démarche et ensemble aussi œuvrons pour que les projets votés ne remplissent pas seulement les tiroirs. Ministre Communication Joseph Guilherme Sedelva encourage toute initiative qui vise à renforcer la lutte pour respect des droits journalistes. Qu'est-ce qu'on dirait si quelqu'un voulait museler la presse ou bien museler la liberté d'expression? Certainement, on serait peut-être les premiers à s'ériger contre un tel état de fait. Donc c'est pourquoi, pendant que nous sommes au pouvoir, il faut continuer à défendre la liberté de la presse et d'expression, parce que nous en aurons besoin un jour ou l'autre, parce que nous ne sommes pas au pouvoir à vie. Respect droit journaliste, libre accès à l'information, meilleures conditions de travail, mise en place pour nouveau et strict dans le secteur de la presse, régularisation système, nan, c'est quelques points qui étaient soulevés dans l'occasion de commémoration Journée mondiale liberté de la presse. Là. Dernier rappel, Titio, avant nous aller. Président République, là, Jovenel Moïse, à qui en délégation Banque Interaméricaine Développement, BID, visité commune Savanette, dans le département Centre-PIA, jeudi 3 mai, pour constater travail qu'a réalisé dans le cadre de caravane changement.
Journée 3 mai a rappelé Journée mondiale liberté la presse. Dans l'occasion, plusieurs activités réalisées pour marquer Journée 1. Association journaliste haïtien organisée mercredi 2 mai une soirée hommage pour journaliste photographe Vladimir Le Gagnon qui disparaît depuis 14 mars passé. Président Chambre député a Gary Baudot confirmé bureau Chambre député a recevoir demande interpellation groupe 16 députés yo. Yon demande qui pral soumettre dans conférence président pour décision finale. Le 33e colloque international CREDAF arrivé dans Boutli mercredi 2 mai, délégation 33 pays qui t'ai participé dans colloque ça. Eli Haïti comme pays qui gagne présidence CREDAF. Actualité à Pilon la caille pour Pipiti, 9 moun perdit la vie parmi eux 5 membres équipage à 4 passagers dans accident yon avion cargo mercredi 2 mai tout près aéroport Savannah dans Georgia aux États-Unis. C'est là nous mettez fin dans journal là. Merci pour attention. Nous souhaitons tout le monde passer une bonne nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti.